Si on souhaite démontrer une formule toute faite concernant des nombres naturels, alors on peut procéder comme suit. D'abord, on démontre que la formule est vraie pour n est égal à 1. Ensuite, on démontre que si la formule est vraie pour n est égal à k, nombre naturel quelconque, alors elle doit être vraie pour le nombre naturel suivant, k plus 1. Ainsi, on aura démontré que la formule est vraie pour n'importe quel nombre naturel. Pourquoi? Parce que on a démontré que la formule est vraie pour n égale 1. Et alors, elle doit être vraie pour le naturel suivant, c'est-à-dire n égale 2. Donc, elle est vraie pour n est égal à 2. Alors, elle doit être vraie pour le nombre naturel suivant, 3. Donc, elle est correcte pour 3. Ensuite, elle doit aussi être correcte pour le nombre naturel suivant, 4. Donc, elle est vraie pour 4. Donc, pour 5 et aussi pour 6 et pour tous les nombres naturels suivants. Comparé au domino, ça signifie que on démontre d'abord que le domino numéro 1 tombe. Ensuite, on démontre si un domino quelconque de numéro k tombe, alors le domino suivant de numéro k plus 1 doit également tomber. Et ainsi, on a démontré que tous les dominos tombent, puisqu'on a prouvé que le premier tombe, et on a démontré que alors le suivant doit tomber, c'est que le deuxième tombe aussi. Et comme le suivant doit également tomber, c'est que le troisième tombe. Donc aussi le quatrième, ensuite le cinquième, ensuite le sixième, etc. Donc de proche en proche, tous les dominos tombent et la formule est ainsi démontrée pour n'importe quel nombre naturel n. Nous allons appliquer ce procédé qu'on appelle démonstration par récurrence pour démontrer cette formule-là. Démontrons-la d'abord pour n est égal à 1. Cette somme à gauche, elle va de 1 au cube jusqu'à 1 au cube, c'est-à-dire c'est 1 au cube. Et à droite, nous remplaçons le n là et là par 1, et ainsi nous obtenons 1 fois 1 plus 1 sur 2 au carré. Et cette égalité est vraie si et seulement si 1 au cube, c'est-à-dire 1, est égal à 1 fois 2 sur 2, c'est-à-dire 1 au carré. 1 au carré, ça donne 1. Donc, cette égalité est vraie si et seulement si 1 est égal à 1, ce qui est évident. Par conséquent, la formule est démontrée pour n égale 1. Ensuite, nous supposons que la formule est correcte pour n est égal à k. Donc, nous supposons que cette formule est vraie, formule qu'on obtient en remplaçant là, là et là, le n simplement par k. En supposant que cette formule est vraie, nous allons démontrer qu'elle est aussi vraie pour n est égal à k plus 1. Donc, nous écrivons la somme de ces k plus 1 cubes et nous essayons de démontrer que cette somme est égale au dernier nombre k plus 1 fois le suivant k plus 1 plus 1 divisé par 2, le tout au carré. Nous avons ici la somme de k plus 1 cubes. Nous lisons d'abord la somme de ces k cubes plus le dernier cube. Et la somme de ces k cubes, ça c'est écrit dans notre hypothèse de récurrence, cette somme est égale à ce carré. Donc nous pouvons remplacer la somme de ces k cubes par cette fraction au carré. C'est fait. Ensuite, nous calculons le carré de cette fraction. Ça donne k au carré fois k plus 1 au carré divisé par 4. Donc, comme ceci. Ensuite, nous écrivons ce cube divisé par 1 et nous multiplions numérateur et dénominateur par 4 pour avoir ici le même dénominateur. Ainsi, pour additionner ces deux fractions, il suffit d'additionner les numérateurs. Et dans cette somme numérateur, nous pouvons mettre k plus 1 au carré en évidence, et entre parenthèses, il reste ce k carré, le voilà, plus 4 fois k, plus 4k, plus 4 fois 1, donc plus 4.
et k au carré plus 4k plus 4, ça c'est exactement le carré de k plus 2. Et k plus 2 peut être transformé en k plus 1 plus 1. Et voilà, la formule est bien démontrée, elle est vraie pour n'importe quel nombre naturel, n.